Messieurs, mesdames, bonjour. C'est pas une grande communication, c'est juste pour vous dire que demain, jeudi, nous maintenons notre sit-in devant le bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Nous avons reçu une correspondance signé par les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, nous disant que cette zone, c'est une zone neutre. Et nous ne reconnaissons pas les tronçons allant de l'aéroport de Ndjili au rond-point, au pont Matete. Mais plusieurs fois, ça a été violé. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons, y compris sur le boulevard du 30 juin. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-ins déjà devant la CENI et nous avons aussi organisé des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda. Donc nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin à l'île dite indépendante. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute. Nous serons là pourquoi ? Nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral, personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela. Nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisé. Et ces élections crédibles, ça commence par un fichier électoral fiable. Et ce que la CENI a fait, a produit, c'est un torchon que personne ne peut accepter. Donc, peuple congolais, déjà nous vous avons remercié pour votre participation massive à la marche du 20 mai et nous vous appelons encore pour demain matin assister et participer au sit-in. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, le leader. Je crois que c'est ici que nous mettons fin à cette... Lingala Mouké. Oui, Lingala. Le Lingala, Makambo ya Kolobaya Mingite. Toye ya wa, to vandi ning, to zali ya wa, pona koye bisa ba Congolaise, nyon sona ba Congolais. Ete, Mokolo, ya lobby Mokolo, ya Minei. 25 mai, il y a Mobu Otozali. Tokozala biso nyonso liboso ya bureau ya CENI. Toko telema wana pona ko yebisa bato bako kamba CENI na ba obatindi bango ete toboyi makambo bango bazali ko sala. Makambo yo balingi ba frauder lisusu na ba election. Makambo yo babimisili biso mikanda oyo eza na kombo ya bato. Bato wana tout moni ndenge baseli makambo wana te bato wana to yibi pai ba wuti te makambo bango ba komi kuna na kango ba election ko sila bato yo ba cheki makasa na bina bia ba urne wana tango ko bima e bima ndenge bango ba tiaki bango ba resultat ezala oyo bana mboka balingi po to lembi pasio toza ko mona pasio yo ba komi na constitution na biso et outi pona banda 1960 ba institution no se sa ko kota na kati ya mboka ezali légitimité linkoloba peuple atinda bango kuna te peuple ya pona bango te kaka mikono so muyibi muyibi yango na to lingi sikoyo to zala na to benga ka la vérité des urnes et ko banda d'abord na fichier électoral moto moko te andi ma fichier oyo CENI a fabriqué. Ezali ya muyibi. Merci bana mboka lobi na tongo lobi mokolo ya mine biso nyonso liboso ya bureau ya commission électorale Melesi Mingi. Ce mardi 23 mai 2023, alors qu'il se rendait dans le cadre de sa tournée dans l'ouest du pays au Congo central, le président Moïse Katumbi s'est vu refoulé à la frontière de la province par un escadron de la police nationale congolaise dépêché par le gouverneur de la province du Congo central. À Mitendi,
les forces policières déployées par le gouverneur de la province avaient reçu mission d'empêcher le président Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Fort des enseignements de la marche du 20 mai dernier, réprimée par le pouvoir et ses milices dans le sang, le président Moïse Katumbi a pris la décision de ne pas exposer la population nombreuse venue à sa rencontre devant la soldatesque du pouvoir. Aussi a-t-il décidé de regagner sa résidence. Nul ne peut empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de circuler librement dans son pays. Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de la Constitution qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État. Notre norme suprême, et je le rappelle, parce que vous êtes journaliste et vous avez aussi un devoir pédagogique, notre norme suprême dispose à son article 26 que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation, sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation et la loi en fixe les mesures d'application. C'est ce qui avait été fait. L'article 30 de notre Constitution rappelle que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter ou d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. La République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus qui aurait le droit de dire qui peut aller à tel endroit ou qui ne peut pas y aller. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Moïse Katumbi reviendra au Congo central et continuera sa tournée dans l'ouest du pays. Les pays sont tirés de la misère. Les gens sont en train de mourir ici. Les
Il n'y a pas d'électricité, il y a et là, tout ça. Donc quand même, c'est vrai, les gens manquent de l'électricité. Et vous croyez que les gens vont se regarder comme ça. On va rester ici 72 heures. On a répondu. Oui, mais c'est illégal. Que nous sommes arrivés à Nikenti, justement la frontière entre la ville province de Kinshasa et le Congo central. Alors nous sommes bloqués des parts et d'autre par la police qui refuse à ce que le président Moïse Katumbi et sa délégation puissent communier avec la population de Matadi qui l'attendait, vous le savez, depuis plus d'une semaine. Déjà l'annonce a été faite, mais ici tout est bloqué. La police, comme elle l'avait faite lors de la marche de l'opposition, c'est pratiquement le même décor que nous sommes en train de voir ici à Nikenti. Oui, on a un responsable de la police qui dit que nous, lui, dépend de vous. Vous avez donné l'ordre que nous ne puissions pas passer. Comme citoyens, on ne peut pas passer. Mais c'est ce que vous aviez dit. Mais pourquoi nous sommes bloqués? On dit l'autorité vous provinciale. Donc voilà pourquoi. Vous m'en avez posé la question. Mais pourquoi nous sommes bloqués ici? Est-ce que j'ai volé quelque part? Voilà pourquoi. Vous êtes comme vous êtes le directeur de cabinet. C'est pour nous permettre à ce que les messages arrivent au gouvernement pour dire que nous. Le gouvernement. Papa, mané la zabre pour la chapeau dans la c'est pour la chapeau dans la corps en esprit. On va être mal à l'aise des côtés. On va dans ce bisou. On va dans les cas. Chapeau à mon âme appelée. On va partout en ligne. Le commun est pour tous. Tous à la bosse, c'est Moïse Katumbi à côté de la Congo centrale. À ta mort à Moka. Du caméra au Congo, l'un de là est zaté. Tu es au Congo. Tu es au moteur au président. Tu es au moteur à l'Eraka. 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 Nini bakangelenzela et comme nini qui tribalisme moko ba lobito sangana to comme le démocratie dans la démocratie ya monte ya mona monte botika ke nini na ye et ça la nini asa moko 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 ye asa la pouvoir en place nous avons pouvoir en place bisou botika ni ka ke arenye et ça la nini Peuple Tolingi, papi mais la vie sont pas ça la vie sont pas Tolingi lipa Balingi te, on est la lipa aïe, bati la côte à Congo central, on est la poste là dans Boka. Maman, est-ce que nous avons besoin de ma campagne de salamandre? Est-ce que Congo central est la capitale? On va devoir qu'ils attendent pour la moindre mauvaise, on va devoir aller pour la nuit. Est-ce que Mitou n'a besoin de salamandre? Le loup va nous signaler. Le loup est parti, ils sont bientôt pour nous montrer ce qu'il y a qui est Congo central. Bati ka bana yambo ka ba vivre. Qui est président Mazini. Bon, les lots qui a postulé la candidature présidentielle. Tout en a posé à Banam Bokani, on se base à la lettre. Bati ka ya travail. Bien. Tigana libéra, voilà Kanisaki, la vie de Kokwea, voilà. C'est que
Chilombo à travers son ministère de l'Intérieur par la province du Congo central interdit au président Moïse Katumbi de pouvoir y accéder. Ce n'est pas normal. Pour accéder au Congo central, on n'a pas besoin d'un visa. On n'a même pas besoin d'une autorisation pour se déplacer. La liberté de mouvement d'aller et de retour n'est pas préalable à une autorisation. S'ils estiment que nous n'allons pas tenir des meetings au Congo central, tant mieux. Et que cela ne tienne, qu'on nous laisse quand même qu'ils puissent passer, aller visiter Congo central. Ça, ça n'a jamais été fait dans aucun pays du monde où, dans une province, on érige une frontière pour qu'un Congolais d'une catégorie donnée, parce qu'il est opposant au régime de Félix Tshisekedi, de ne pas pouvoir accéder pour faire le Congo central. Ça, c'est de la honte et de l'opprobre pour ce régime de Félix Tshisekedi avec qui nous avons milité dans l'opposition. Et on comprend aujourd'hui que nous étions avec lui dans l'opposition, mais il n'était pas de l'opposition. C'est ça la démocratie chez nous. Le président Moïse Katumbi Tshapo est bloqué ici. Plus de 2 heures. On refuse qu'il puisse passer chez nous au Congo. C'est ça la démocratie. Alors nous on va tirer les conséquences. Et puis que chacun assure ses actes. Ce pays-ci nous appartient à tous. Chilombo, Nous sommes en train de nous faire.